Nous allons commémorer en août, chers téléspectateurs, le 80e anniversaire de la mort de Trotsky, assassiné au Mexique le 20 août 1940 et mort de ses blessures le lendemain. Il a été tué dans la villa de Coyoacán, dans la banlieue de Mexico, où il vivait depuis 1937 et où il était l'invité et le protégé du général Lázaro Cárdenas, l'homme fort du Mexique d'alors. Alors, cet homme important, vu le rôle qu'il avait joué dans la naissance de l'URSS au cours de la révolution russe, eh bien, bénéficiait d'une sécurité sérieuse, puisque celle-ci était assurée par 33 hommes renouvelés toutes les 12 heures, auxquels le président Cárdenas en avait ajouté 10 supplémentaires, autant dire qu'apparemment, il ne risquait rien dans cet exil mexicain. Mais si le calme, un calme complet avait régné jusqu'au 24 mai 1940, là les choses vont changer. Ce jour-là, à 7h du matin, les policiers de garde voient arriver un groupe d'hommes qui portent des uniformes de policiers et de militaires de l'armée mexicaine, qui vont les neutraliser, les maîtriser. Hein, et un jeune Américain qui est censé garder l'accès de la maison qui s'appelle Robert Sheldon Hart, qui est censé veiller aussi sur la sécurité de Trotsky, dont le père est un ami personnel d'Edgar Hoover, le responsable bien connu du FBI, laisse passer la troupe en question. Il ne pouvait pas grand-chose, évidemment, une question de rapport de force. Et les hommes en question mettent en batterie une mitrailleuse dans le jardin, face à la chambre occupée par Trotsky et par son épouse Natalia Ivanovna Sedova, et ils vont tirer sur la façade 300 balles. Trotsky et son épouse, surpris évidemment, vont se laisser glisser sur le dallage de la maison. On va relever 60 impacts sur les murs et sur les portes de la chambre, mais les deux cibles survivent à cet attentat. Deux bombes incendiaires ont été placées dans le jardin, mais elles ne vont pas exploser. Un échec donc complet de cette tentative d'attentat qui nécessitait quand même une organisation et des moyens. Échec qui fait que les communistes vont crier à la simulation, Trotsky ayant été lui-même l'organisateur de ce pseudo-attentat pour se poser en victime. Toujours est-il que l'enquête permet de découvrir dans une maison qui se trouve dans le quartier Desierto de los Leones, une maison louée par les beaux-frères du peintre David Alfaro Siqueiros. On découvre donc des armes, des tenues militaires, plus le corps sans vie du fameux Robert Sheldon Hart qui a laissé passer les assaillants. Alors qui est ce Siqueiros qui semble impliqué dans l'affaire? C'est un fondateur du Parti communiste mexicain. Il a été colonel dans le camp républicain pendant la guerre d'Espagne, ce qui semble effectivement orienter les soupçons vers les soviétiques. Il y a un certain nombre de gens qui sont arrêtés, puis le peintre sera libéré sous caution. L'affaire restera en fait sans suite. Les autres suspects seront eux-mêmes relâchés un peu plus tard. Et la question de l'attitude adoptée par ce fameux Robert Sheldon Hart lors de cet événement laisse évidemment un peu perplexe. Toujours est-il qu'en juin 1940, un mois plus tard, Trotsky accuse ouvertement Staline d'être à l'origine de cet attentat et annonce qu'il sera sans doute répété, qu'il craint de nouvelles tentatives. Et effectivement, trois mois plus tard, le 20 août 1940, eh bien, cette fois, la tentative sera la bonne. Trotsky ne survivra pas à l'agression dont il va être victime. Il sera tué d'un coup de piolet de montagne.
Que se passe-t-il à 18h15, ce jour-là, le 20 août 40, son agresseur vient lui faire corriger un article. Il connaît son agresseur, il l'a déjà reçu à plusieurs reprises. Il va commettre l'attentat, on va tenter une trépanation, opérer Trotsky dans les heures qui suivent, mais il succombera le lendemain, 21 août 1940, à 10h25. Le drame s'est déroulé très rapidement. Jackson Mornar, l'assassin, a déjà été reçu à plusieurs reprises, je l'ai dit. Il se présente donc un peu après 18h. Les gardes du corps qui le connaissent le laissent passer. Il porte curieusement un imperméable, alors que nous sommes au mois d'août. Il se retrouve seul avec Trotsky, et puis, dans la pièce d'à côté, à un moment, Natalia, son épouse, entend des cris. Elle retrouve son mari ensanglanté, le visage ensanglanté. L'assassin a frappé Trotsky pendant que celui-ci relisait son manuscrit. Il a une fracture du crâne, la matière cérébrale a été atteinte, il est sans illusion sur ses chances de survie, il va simplement constater que cette fois ils ont réussi et il souhaite que l'on puisse interroger l'assassin pour faire la preuve de l'identité de son commanditaire. En tout cas, il meurt donc le lendemain 21 août 1940, son corps est incinéré, les cendres se inhumés dans le jardin de la villa de Coyoacán, hein, avec une stèle au bout du compte, frappée de la faucille et du marteau, et stèle surmontée d'un drapeau rouge et portant pour seule inscription le nom de Léon Trotsky. Alors Jackson Mornar est arrêté, roué de coups par les gardes du corps, il se retrouve à l'hôpital où agonise sa victime non loin de là, et il va se poser pour se justifier en victime du GPU, les services secrets soviétique, qui aurait menacé sa mère, arrêté sa mère et menacé de l'éliminer s'il ne commettait pas le crime en question. On peut penser, après le précédent de l'affaire Siqueiros quelques mois plus tôt, que ce n'était pas un mauvais calcul, car il aurait peut-être eu la possibilité ainsi d'échapper au châtiment. En tout cas, les enquêteurs récupèrent le piolet, également un poignard de dimension importante, imposante, également un revolver Stark 45 chargé avec 8 balles. Il apparaît donc clairement que le crime était prémédité et l'assassin a utilisé le piolet parce qu'il a peut-être pensé à un moment que les choses se feraient peut-être plus discrètement qu'avec un coup de feu. Alors quelle est l'identité du tueur? Il prétend avoir 36 ans, ce qui va effectivement être vérifié ensuite. Mais qui est ce Jackson Mornar? Alors, Frank Jackson ou Jacques Mornar von den Drecht, eh bien, il serait né à Téhéran, il serait le fils d'un diplomate belge. C'est ainsi qu'il se présente au départ. Mais quand on le confronte avec le représentant de la Belgique à Mexico, il apparaît clairement qu'il n'en est rien et qu'il n'a même jamais mis les pieds en Belgique, qu'il ne connaît rien de ce pays. Ce que l'on découvre également, c'est qu'il a séjourné dans un hôtel à Taxco, à une centaine de kilomètres de Mexico, et c'est là qu'il a récupéré le piolet du fils de l'hôtelier, qui va être ensuite l'arme du crime. On va découvrir aussi un passeport canadien, qui était un passeport qui avait été octroyé initialement à un certain Tony Babich, un Yougoslave, qui l'avait acquis en même temps que la nationalité canadienne en 1929. Et ce Yougoslave s'était retrouvé en Espagne dans les rangs des brigades internationales, où il avait été tué au front. Son passeport avait été récupéré et on avait inscrit dessus un autre nom et on avait mis évidemment une autre photo. Donc le mystère est encore entier, mais un journaliste de Barcelone, dans la mesure où la photo du tueur a été présentée dans la presse, va reconnaître un personnage qu'il a connu sur le front d'Aragon. C'est un certain Ramon Mercader, né à Barcelone le 7 janvier 1913. La police espagnole va même collaborer avec la police mexicaine dans cette affaire pour faire la lumière.
lumière. L'affaire va également être confirmée beaucoup plus tard, en 1954 en Allemagne, un défecteur soviétique, le capitaine Kokhlov, dans une conférence de presse, va expliquer que l'assassinat de Trotsky a été organisé par un certain général Eltington, connu pendant la guerre d'Espagne sous le nom de Kotov. C'est là qu'il aurait recruté un Espagnol qui, envoyé en URSS, a été méthodiquement préparé pour liquider Trotsky, réfugié au Mexique, sous l'identité donc de Mornar. Alors, l'assassin va être jugé en avril 1943, au bout de 3 mois de procès. Il est condamné à Mexico pour homicide volontaire avec préméditation et il est condamné à 20 ans de réclusion. Mais le 6 mai 1960, 3 mois et demi avant l'expiration de sa peine, puisque Trotsky avait été assassiné en août 1940, il est libéré. Il est libéré, il se rend à La Havane, où Fidel Castro vient de s'installer au pouvoir quelques années plus tôt, puis de La Havane, il va gagner Prague et de là, Moscou. Il reviendra à La Havane en 1977, en avril 1977, mais atteint d'un cancer, il se suicidera en 1978, non sans avoir été décoré auparavant par Staline de l'ordre de Lénine, et fait ensuite héros de l'Union soviétique par Brejnev. Voilà pour ce Ramon Mercader, l'assassin de Trotsky. Mais qui était justement sa cible, Trotsky? Pourquoi était-il si important de le liquider? On sait son rôle dans la révolution russe de 1905, à la tête de l'armée rouge, on le connaît comme théoricien de la révolution permanente, comme créateur de la 4e internationale. Mais celui qui avait été désigné comme le Lazare Carnot de la Révolution russe, ensuite était entré en conflit, on le sait, avec Staline, et c'est ce qui était bien sûr à l'origine de son élimination. Il était né en octobre 1879 à Yanovska, en Ukraine du Sud, dans la région de la Khersonèse. Il appartient à une riche famille juive de 8 enfants, et Lev Davidovich Bronstein, c'est un très intelligent, mais en même temps c'est un élève difficile et violent et naturellement rebelle. Âgé de 18 ans, il se tourne vers la social-démocratie qui est en train de se constituer progressivement en Russie, le voilà déporté en Sibérie. En 1902, quand il sera libéré, il gagne l'Angleterre sous le nom de Trotsky, sous le faux nom de Trotsky, et il parcourt un petit peu parallèle à celui de Lénine, qu'il va rencontrer d'ailleurs outre-Manche. Très vite, il s'impose comme un orateur tout à fait brillant. On le trouve successivement en Belgique, en Suisse, en Allemagne. Il collabore à l'ISCRA, l'Étincelle, qui est le journal des exilés politiques russes réfugiés en Angleterre. Dans le cadre de la division qui va opposer bientôt les bolcheviks et les mencheviks, et qui s'exprime lors des congrès de Londres et de Bruxelles, au sein du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, eh bien, il se retrouve plutôt dans le camp des mencheviks et puis, encore plus précisément, dans le camp du Bund, qui est une organisation révolutionnaire socialiste juive. En janvier 1905, quand éclate la révolution à Pétrograd, après le fameux Dimanche rouge qui a vu le Pop Capone entraîner la foule vers le palais d'hiver où la troupe tire sur les émeutiers, eh bien la Russie va connaître une crise révolutionnaire larvée qui va s'étendre pratiquement jusqu'à l'automne suivant. Trotsky rentre en Russie, c'est là qu'il va constituer le premier soviet, forme de pouvoir autonome, spontané, qui est censé substituer une autorité révolutionnaire à celle du régime. Il est élu président de ce soviet, alors qu'il a à cette époque 26 ans, arrêté, ensuite condamné, déporté de nouveau en Sibérie, il s'évade, on le retrouve à Vienne, puis à Copenhague, puis à Paris. C'est là qu'il se trouve en août 1914, quand la guerre va éclater.
constaté. Il sera expulsé de France par Malvy, le ministre de l'Intérieur. Mais comme la Grande-Bretagne, l'Italie, la Suisse ne veulent pas de lui, eh bien c'est en Espagne qu'il va se retrouver, à Barcelone, avant de partir pour les États-Unis. Il sera à New York en janvier 1917. Et c'est là qu'il apprend que la révolution a éclaté de nouveau à Petrograd au mois de février. Alors il va rentrer évidemment à Petrograd, ça va demander un certain temps, il n'arrivera qu'en mai, hein. Il sera arrêté à Halifax au Canada par les Anglais, et c'est sous la pression de Miliukov, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement provisoire, qui veut en quelque sorte faire des concessions à l'opposition révolutionnaire, que les Anglais le libéreront et qu'il pourra rentrer dans la capitale russe. Mai 1917, il est de retour à Petrograd, un mois après que Lénine lui-même y soit rentré, après la fameuse épopée du train plombé que l'on connaît. Là, il va rejoindre les bolcheviks, s'allier aux bolcheviks. Quand survient à l'été le putsch contre-révolutionnaire du général Kornilov, il va être l'un des organisateurs de la garde rouge qui va réagir contre cette tentative qui restera finalement sans lendemain. Puis ensuite, à l'automne, eh bien, il va être l'organisateur du comité militaire révolutionnaire qui va préparer la révolution d'octobre. Quand celle-ci triomphe, le voilà commissaire du peuple aux affaires étrangères et chargé à ce titre de négocier la paix avec les Allemands. Ce sont les négociations de Brest-Litovsk qui sont extrêmement difficiles, qui engendrent un débat entre Trotsky et Staline, et Lénine, pardon. Lénine voudrait signer la paix rapidement pour préserver l'avenir de la révolution. Trotsky est convaincu que la révolution va immédiatement enflammer toute l'Europe et qu'il ne faut rien céder à l'ennemi. Finalement, c'est Lénine qui s'impose et Trotsky est remplacé par Tchétchène pour signer la paix de Brest-Litovsk au début du mois de mars 1918. Mais entre-temps, Trotsky se retrouve au poste de commissaire du peuple à la guerre, au moment où le pays, la toute jeune Union soviétique, se trouve plongé dans la guerre civile. Et guerre civile qui va durer trois ans, de 1918 à 1921, et qui se terminera sur une victoire de l'armée rouge, due en grande partie au sens de l'organisation de Trotsky. Quand Lénine meurt en 1924, en janvier 24, eh bien, l'affrontement entre Trotsky et Staline était déjà entamé, dans la mesure où Staline avait réussi à prendre le contrôle de l'appareil du parti pour, avec l'idée d'éliminer à terme son rival. Il va perdre son poste de commissaire à la guerre en 1925, en janvier 25. Il va constituer alors avec Zinoviev et Kamenev une tendance hostile à la mainmise de Staline sur le parti et sur l'État, mais il sera exclu en octobre 26 du bureau politique du comité central du parti, puis en septembre 27, évincé de l'exécutif de la Troisième Internationale, le Comintern, qui avait été créé en 1919 par Lénine. En novembre 27, enfin, il est exclu du parti. Et en janvier 28, il quitte Moscou. Après un exil au Kazakhstan, à Alma-Ata, il est finalement banni du RSS et se retrouve exilé en Turquie. Il arrive à Constantinople en février 1929, il va résider dans l'île des Princes, dans la mer de Marmara, jusqu'en juillet 1933. Staline surveille de près ses activités. Il obtient des sociodémocrates allemands et des travaillistes anglais qu'il refuse un visa à Trotsky pour qu'il puisse se réfugier en Europe occidentale. Finalement, il se retrouve en juillet 33 en France, d'abord à Saint-Palais près de Royan, puis ensuite à Barbizon, puis ensuite à Domaine près de Grenoble. Et puis en 1935, c'est l'année d'ailleurs où la France va se rapprocher de l'Union soviétique quand surviendra
le pacte conclu par Laval et Staline, eh bien le ministre de l'Intérieur, Albert Sarrau, va décider son expulsion. Il se retrouve en Norvège, mais nous sommes en pleine époque des procès de Moscou, Staline veut se débarrasser de lui, et exige son expulsion, et le ministre de la Justice norvégien, Trygve Lie, qui sera ensuite le premier secrétaire général de l'ONU à l'issue de la guerre, va décider de l'expulser en décembre, donc, au Mexique. Entre-temps, Trotsky est devenu effectivement de plus en plus gênant pour Staline, puisqu'en juillet 36 à Genève et en septembre 38 à Paris, des conférences ont abouti à la création de la 4e internationale, qui est censée rivaliser avec le Comintern, la 3e internationale, que contrôle Staline. Il est donc devenu un rival tout à fait majeur pour le maître du Kremlin, et finalement, il va aller se réfugier au Mexique, après avoir quitté la Norvège. Il arrive en janvier 37 à Tampico, protégé par le président mexicain Lázaro Cárdenas. Il s'installe à Coyoacán, donc dans la banlieue résidentielle de Mexico, dans une villa appartenant au peintre Rivera, et c'est là qu'il sera assassiné 3 ans plus tard. C'est une affaire qui vient de loin. Dès septembre 1938, Staline avait fait contacter les communistes mexicains, notamment Hernán Laborde, secrétaire général du parti, pour leur demander la liquidation de Trotsky, mais ces communistes mexicains s'y étaient opposés. Il en fallait davantage pour empêcher Staline de parvenir à ses fins. J'ai le plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui M. Jacques Boncompain, le recevoir de nouveau, puisqu'il était venu il y a quelques mois nous présenter le livre qu'il a consacré à l'épuration des gens de lettres. Responsable pendant longtemps de la Société des auteurs, auteur de travaux et d'ouvrages d'histoire littéraire, Jacques Boncompain, à l'occasion de ses travaux sur l'épuration, a découvert, a approfondi plutôt l'histoire de la période de Vichy, les heures les plus sombres de notre histoire, selon la vulgate médiatique, et cela lui a inspiré un ouvrage du plus haut intérêt consacré au maréchal Pétain, intitulé « Je brûlerai ma gloire » aux éditions Muller, hein, qui sont dirigées, je crois, par Guillaume de Thieulloy. Absolument, hein. Auquel je rends hommage, parce que cet ouvrage a été refusé par tous les éditeurs. Oui, ce qui ne me surprend pas. Tant qu'il a sauvé l'honneur. Ce qui ne me surprend pas après l'avoir lu. Mais en revanche, je n'ai pas donné l'éditeur de votre ouvrage sur l'épuration des gens de lettres. C'était la librairie Champion. C'était la librairie Champion, académique d'ailleurs, connue et reconnue. Et là, je rends hommage à Jean Pruvot, qui a eu le courage de publier cet ouvrage avec 2500 dossiers inédits qui sont, présentés. Et avec également toute une série de sources inédites. Mm-hmm. C'est 90% d'archives inédites. Ouais. Et là, il y a aussi des archives inédites. Oui. Et à propos de cet ouvrage sur l'épuration, il faut rappeler aussi qu'il faut rendre hommage à Henri-Christian Giraud. Absolument. Qui a servi d'intermédiaire. Qui a été remarquable et qui a été mon préfacier. Mon préfacier. Et donc, Henri-Christian, bonjour à toi. Et donc, un travail évidemment tout à fait intéressant et un travail en plus original, dans la mesure où, au-delà du contenu, vous sortez d'une approche, je dirais, biographique étroite ou d'une approche chronologique qui a déjà été largement balayée pour organiser votre travail à partir de certains thèmes. C'est un travail thématique et qui permet de répondre facilement et rapidement à un certain nombre des questions qui sont sans cesse remises en avant à propos de Vichy. Et c'est bien nécessaire par les temps qui courent, car il y a peu de sujets où l'on constate une approche aussi partiale, aussi manichéenne, et où une langue de bois qui se voudrait définitive a réussi à s'imposer. Or, nous
nous sommes maintenant 80 ans après l'installation du régime de Vichy, il est temps que l'histoire fasse un petit peu son travail. Il y a eu des précurseurs, des éclaireurs tout à fait intéressants, je pense à François-Georges Dreyfus par exemple, hein. Mais on peut considérer que notre vision de Vichy reste, dans les médias bien pensants, sous l'influence de Robert Paxton, qui a eu une vision pour le moins biaisée, partielle et partiale du phénomène. Donc, c'est dire tout l'intérêt de votre travail. Alors, ce régime de Vichy, on sait dans quelles circonstances il s'installe en 1940, sur fond de défaite, une défaite aussi écrasante qu'inattendue de la France. Bien entendu, les adversaires de Vichy, que ce soit les gaullistes, que ce soit les communistes ou d'autres encore, on parlait bien sûr de coup d'État. On même accusé le maréchal Pétain d'avoir préparé dans l'ombre depuis longtemps ce mauvais coup contre la République. Que peut-on répondre à ces détracteurs sur ce point précis ? Si vous me permettez, je fais une petite, un petit chapeau. Mm-hmm. Le maire de Vichy, dernièrement, oui, dans la montagne, et puis on en a parlé aussi dans le journal du dimanche, a déploré l'ombre portée sur sa ville, mm-hmm, par 80 ans, depuis 80 mm-hmm ans, par le maréchal Pétain. Ouais. Voilà. Et je lui ai répondu par une lettre ouverte qui a été adressée, entre autres, au journal La Montagne. Mm-hmm. Lettre ouverte où je lui dis qu'en fait, il a un chantier magnifique, c'est de réhabiliter sa ville, qui a été, à mes yeux, et je suis un ancien gaulliste, mmh, hein, ça ne veut pas dire que j'ai retiré toute mon admiration au général de Gaulle. Bien sûr. Je dis simplement que, ce que j'intitule ça, Pétain de Gaulle, les deux poumons de la France. Mmh. Et donc, comme Jean-Paul II disait qu'il y avait le poumon de l'Est, qui était l'orthodoxie, et le poumon de l'Ouest, qui était le catholicisme, et qu'il fallait que l'Europe respirât avec ses deux poumons, je dis que la France souffre, je dirais, de problèmes respiratoires, c'est oui, d'actualité, mmh, eh bien ça vient en grande partie, oui, parce qu'on a tué le poumon Pétain. Il, oui, faut réhabiliter le poumon Pétain. Et donc je lui rappelle que l'armistice, c'est l'équivalent dans la défaite de Verdun. Mmh. C'est, bon, ensuite, que les pleins pouvoirs ont été donnés au maréchal Pétain par sénateurs et députés, mmh, qui venaient du Front populaire, oui, qui avaient combattu le travail, la famille et la patrie, mmh, et qui, par écrit, lui ont demandé de préparer une constitution mettant en valeur le travail, la famille et la patrie. Mmh. Enfin, Pétain, le premier des résistants, c'est le premier qui est au courant de l'opération Barbarossa, dès le mois de novembre 1940, et il en avise aussitôt Churchill et puis Roosevelt. Enfin, c'est lui qui donne l'ordre à l'Empire de rentrer en guerre. Et c'est sur son câble que les gouverneurs du Maroc, tous, vont rentrer en guerre avec une efficacité extraordinaire. Enfin, le procès qui lui a été intenté est un procès inique. Et c'est même l'un des jurés qui le dit, Petrus Fort. Voilà. Ah ben alors, le dossier est lourd. Pour l'attentat à la République, il suffit de rappeler qu'au moment du procès, la première partie du procès est consacrée au complot. Et alors, il y a tellement d'éléments contraires qui apparaissent à ce moment-là que le procureur Mornay retire ce chef d'accusation. Mm-hmm. Donc c'est liquidé, c'est même dans un procès qui était un procès à charge, on a fait litière de cette accusation, on a blanchi le maréchal. Bien plus, la constitution qu'il a proposée est une constitution républicaine et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de 1958. Voilà, c'est ça, bien sûr, ce qui correspondait aux aspirations d'une bonne partie même du pays. Monsieur Debray avait aussi le projet de Pétain. Mm-hmm. Voilà. Mais cela correspond aussi au fait que pendant l'entre-deux-guerres, il apparaît clairement que Pétain, il est très populaire à gauche. Des gens comme Gustave Hervé ne
tarif pas d'éloge sur ce général républicain, ce maréchal républicain plus exactement, que personne ne soupçonne d'une quelconque tentative de vouloir s'emparer du pouvoir. Quand il est nommé ambassadeur en Espagne, Léon Blum s'indigne quant au fait qu'on envoie chez Franco le meilleur d'entre nous, enfin un chef militaire, encore une fois, au-dessus de tout soupçon, personne ne voit en lui un factieux. Quand il entre au gouvernement en 1935 et qu'il entre dans la Chambre des députés pour défendre le budget de l'armée, l'Assemblée nationale entière se lève et l'ovationne. C'est-à-dire tous les partis, communistes compris. Oui, il bénéficie d'un très large consensus. Absolu. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'au moment de la défaite, il est la bouée vers laquelle tout le monde se tend, car il est le seul à faire l'unité de tous les Français. C'est ça, il bénéficie d'une autorité morale. Et on vient le chercher, comme au RIF. Chaque fois, on est venu le chercher. Ce n'est pas quelqu'un qui a voulu faire carrière. Ce n'est pas quelqu'un, non, chaque fois, on est venu le chercher, et c'est quelqu'un qui fuit la lumière. C'est-à-dire qu'en 1916, quand il est nommé général chargé de la défense de Verdun, de Verdun, il n'y a pas une photo de lui. Voilà. Oui, oui. Il reçoit les pleins pouvoirs le 10 juillet 40, donc, par les assemblées, dont la Chambre des députés de 36, qui était celle du Front populaire, puis avec un Sénat où il y avait une très grande quantité de radicaux socialistes, hein, avec une très faible opposition, les fameux 80 protestataires, hein, mais qui sont davantage protestataires contre Laval plutôt que contre Pétain, en fait. Ce sont plutôt les manœuvres de Laval qui ne leur plaisent pas, plutôt que la personnalité de Pétain qui est en cause. – Vous savez qu'avant, il y a eu la décision de réunir ce congrès, et qui a fait l'objet d'un vote. Et là, il y a eu 100% de votes favorables. Ouais. Or, on savait ce qui allait se passer. Et n'oublions pas que parmi les protestataires, il y en a qui ont dit au maréchal Pétain, comme Paul Boncour, « Je n'ai pas pour voter pour cela, parce que vous n'aviez pas assez de pouvoir. » C'est ça, ouais, bien sûr. Oui, je crois que les choses sont claires de ce point de vue. Mais alors, la grande question aussi, et on est en plein dans l'actualité, puisqu'on célèbre, si on peut le célébrer, l'anniversaire du désastre de 40, c'est la question de l'armistice. Pétain, quand son premier message aux Français, le 17 juin, il annonce qu'il va négocier avec l'ennemi un armistice. Or, du côté gaulliste, c'est cela le péché originel du régime de Vichy, et on entretient toujours aujourd'hui systématiquement cette image-là d'un Pétain qui trahit. À l'occasion de cet anniversaire, Le Monde publie un numéro spécial De Gaulle, la résistance, Pétain, la collaboration, ce qui n'a aucun sens en juin 1940. Mais alors cet armistice, fallait-il ou non le conclure, le signer avec les Allemands? Parce que le débat est encore ouvert. Il y a eu en 2011 un débat à l'école militaire très intéressant sur la question, avec de nombreuses interventions de spécialistes. Et il y a toujours deux camps qui s'affrontent sur cette question de l'armistice de 1940. Je dis que le 18 juin, pour le général de Gaulle, c'est le 18 Brumaire de Bonaparte. Il saisit sa chance. Il avait dit qu'il voulait laisser une marque dans l'histoire de France. Il vérifie s'il est dans le gouvernement du maréchal. Le maréchal voulait l'y introduire. C'est Weygand qui s'est opposé. Du coup, il dit, ils ne veulent pas de moi, je fous le camp à Londres. C'est-à-dire que s'il était rentré dans... Il acceptait de rentrer dans le gouvernement du maréchal. C'est parce qu'il n'est pas dans le gouvernement du maréchal qu'il part à Londres. Weygand lui ordonne l'ordre de revenir, sinon c'est le conseil militaire. Bon, il dit qu'il revient, et c'est Churchill qui fait bloquer l'avion. Donc là, à ce moment-là, eh bien, il se jette à l'eau, si vous voulez. Et il prend ce pari d'être le seul représentant de la France dans combattante dans le camp allié à la libération. En fait, il fallait les deux. Paris gagné, final. Alors, je vais vous dire une chose extraordinaire, qui est le scoop, qui sera dans mon prochain livre, mais je le dis déjà, puisque le prochain livre s'appelle « L'assassinat du maréchal Pétain ». Puisque le maréchal Pétain a été assassiné. Et la première balle,
est tiré par le général de Gaulle le 22 juin 1940, quand il dit que c'est un gouvernement de rencontre, qu'il fait de Pétain et de son gouvernement des personnages qui ont fait comme une sorte de coup d'État, alors qu'ils sont arrivés légalement au pouvoir, et ensuite il dit que la France a livré la flotte aux Allemands. Je dirais que c'est terrifiant, mais le maréchal, le général de Gaulle dit, soutient cela la veille du Merseykébir. C'est-à-dire qu'il justifie par avance l'acte le plus terrible, l'agression anglaise de Merseykébir, où il y aura 2000 morts. Il y a 1300 et quelques morts tout de suite, ça fait 2000 morts. Et l'amiral Somerville, qui conduit la flotte anglaise, la conduit à contre-cœur. Il dira après que c'était la plus grande gaffe de tous les temps. Il faut bien voir que les anglo-saxons ont été des provocateurs à répétition. Et que, on parle de Paxton, je suggère aux auditeurs qui le souhaitent de se procurer un petit livre publié aux éditions latines par un autre Américain, qui est le capitaine de vaisseau Charles Koberger, et qui, lui, dénonce la déloyauté continue des anglo-saxons avec Vichy, avec le gouvernement français, puisque le débarquement en Afrique du Nord devait avoir lieu en parfaite concertation et intelligence avec Darlan, avec le gouvernement de Vichy. Et ça n'a pas été le cas. Et ça a été la source de beaucoup de retard, de beaucoup de morts, de vies perdues de façon inutile. Alors, donc, cet armistice, aujourd'hui, un observateur détaché des passions du moment peut considérer qu'il était quand même en grande partie légitime, même si, encore une fois, on peut se féliciter du coup réalisé par de Gaulle qui va payer, finalement, à l'issue de la guerre. On peut être un grand publicitaire. Et de Gaulle est un génie de la publicité, de la propagande. Mais moi, je me fie à ce que dit l'un des meilleurs historiens allemands, qui est Krautmacher, et qui dit que la renaissance de la France n'a pas commencé avec le 18 juin, mais de façon plus sûre et plus éclatante avec la signature de l'armistice. Je dis aussi que Churchill ne saurait être un témoin qu'on puisse écarter d'un revers de la main. Or, Churchill, après, dès le Maroc, publiquement reconnaît que l'armistice a été extraordinaire pour l'Angleterre. Autrement dit, l'armistice a sauvé l'Empire. Sans l'armistice, toute l'armée allemande était en France. Elle pouvait, dans la foulée, aller en Espagne, attaquer Gibraltar, qui est très facilement fermer la Méditerranée, passer en Afrique du Nord, et Churchill le reconnaît, nous n'avions pas les moyens d'arrêter la déferlante allemande sur l'Égypte. L'armistice nous a rendu service. Il n'y avait plus de canons, il n'y avait plus d'armes, il n'y avait plus rien. Donc l'armistice a été de façon prodigieuse. Plus que ça, le haut commandement allemand était vent debout contre l'armistice. Et Charles Barrès, l'un des plus grands résistants de l'Alsace-Lorraine, qui a été déporté, est venu courageusement au procès du maréchal pour dire que pour toute l'Alsace-Lorraine, c'est la stature du maréchal qui est à l'origine de la signature de l'armistice. Et Pétain était un génie militaire, il a vu l'orgueil de Hitler, il a dit « le wagon de Roton nous sauvera ». La France était à terre. C'était inutile de continuer à faire massacrer pour rien toute une jeunesse. Il fallait, quand il y a une perte de sang, on met un garrot. L'armistice est un garrot, et l'armistice sauve l'Afrique du Nord et permet que pendant toute cette occupation de la France, jusqu'à l'arrivée des Américains, il n'y a pas d'Allemands. Il n'y a pas d'Allemands en Tunisie, il n'y a pas d'Allemands en Algérie, il n'y a pas d'Allemands au Maroc. Et pour l'accusation d'antisémitisme du maréchal, il y a plus de 400 000 juifs qui se trouvent dans le Maghreb. L'armistice a sauvé de la destruction totale tous les juifs d'Afrique du Nord. Si on en rajoute ceux qui ont été sauvés en France, ne passons pas sous silence, je dirais, l'aide de l'Église, de personnes généreuses, mais sans le gouvernement, il ne restait plus personne.
Oui, avec une administration. Donc, l'armistice a été un coup de génie et il est une victoire. Et Hitler l'a reconnu dans son testament dicté à Bormann en 1945. Dans la foulée de l'armistice, il va y avoir au mois d'octobre 40 Montoire. Louis-Dominique Girard avait trouvé une formule pour dire de Montoire que cette entrevue, donc contestée, c'était un Verdun diplomatique. Comment est-ce que vous voyez vous-même cet épisode ? Je reprends l'expression de Louis-Dominique Girard, mais je la mets tout de suite au niveau de l'armistice. Je veux dire que l'armistice, c'est Verdun. Il faut voir que Lyon était occupé, enfin la France allait être occupée totalement. Et c'est l'armistice qui fait refluer les divisions allemandes. Mm-hmm. C'est absolument incroyable. Mm-hmm. La France garde une armée. Il y a encore 100 000 hommes. Mm-hmm. Elle garde... L'Empire et la flotte. La flotte, je dirais, reste intacte, mais les Anglais vont pousser au crime. Ils vont pousser au crime. Et on ne peut pas expliquer le fait que la flotte ne sort pas de Toulon en 1944. Sans Mercel et Dakar, évidemment. Et il y aurait à ce moment-là presque plus de bateaux de guerre qui seraient ouverts à Toulon. Ils auraient été à Dakar, ils auraient été à Casablanca, ils auraient été, je dirais, à Bizerte et à Oran. Voilà. – Et alors cette attitude de Pétain que nous retrouvons donc à Montoire, elle a fait l'objet évidemment de beaucoup de commentaires, cette fameuse formule de la collaboration à la construction de l'ordre nouveau en Europe. Qu'est-ce qu'il y a de réel derrière les paroles ?– C'est du bidon. – Voilà. – C'est-à-dire, on est dans du vide. Il faut bien voir que, d'une certaine manière, Laval a des aspects sombres qui s'expliquent beaucoup par l'attitude néfaste de l'Angleterre. L'Angleterre a fait la guerre à la France. Dès 1918, Lord Curzon dit que c'est pas l'Allemagne l'ennemi, c'est la France. Bien sûr. Les Anglo-Saxons vont s'opposer au réarmement de la France. Mais les Anglais sont toujours hostiles à la puissance dominante sur le continent. Et quand il y a l'occupation de la Rhénanie par Hitler, les Français veulent intervenir. Oui. Et c'est les Anglais qui menacent la France de rupture de l'alliance et qui empêchent là. Eh oui. Alors, on sait, ce sont les Anglais qui sont responsables d'Hitler. En mars 1936. Et puis l'accord naval de juin 1935. 1935, Laval est au pouvoir. Mmh. Il a obtenu des Anglais de parler d'une seule voix avec les Allemands pour éviter que les Allemands ne jouent un pays comme l'autre. Et il apprend par le journal, que dans le dos de la France, permettent la reconstitution de la Kriegsmarine contre la flotte française. – Alors que deux mois plus tôt, à Stresa, les Anglais, avec les Français et les Italiens, avaient constitué un front pour empêcher Hitler de pousser plus loin son réarmement. – Mais c'était pareil, Laval a voulu faire la chaîne des pays, je dirais, civilisés autour de l'Allemagne, et chaque fois, il a été bloqué par l'Angleterre. Ce qui fait qu'en 40, on considère que c'est l'Angleterre qui nous a mis dans cette situation-là. Mmh. Et ça peut expliquer son tropisme. Tandis que Pétain garde le sang-froid, je le considère, moi, comme un extraordinaire organiste qui va jouer de toutes les sensibilités françaises pour éviter que la France ne chavire et pour lui donner toutes ses chances d'être présente au moment de la victoire en ayant reconstitué sa population. Parce que la France est menacée de disparition physique. Alors, quelle est son attitude aussi, le général Le Groeneck avait consacré un ouvrage très intéressant à ce sujet, quelle est son attitude vis-à-vis des États-Unis? C'est lui, c'est son admiration. Il n'aime pas les Anglais. Voilà, il n'aime pas les Anglais. Mais il dit sans arrêt vis-à-vis de l'amiral Platon, de tous ceux qui disent que l'Angleterre est pays. Non, il faut garder la carte de l'Angleterre. Il le dit sans arrêt. Et d'ailleurs, il négocie avec l'Angleterre. Oui, le jour même de Montoire, il y a l'accord avec Rougier et Churchill. Et Churchill ne dit rien à De Gaulle, parce que De Gaulle est un instrument. Il y a une phrase magnifique de Churchill qui le définit et qui montre bien la rouerie anglaise. Je n'ai jamais dit que l'armistice était une trahison. C'est ce qu'a dit le général de Gaulle. Ouais. Je n'ai jamais dit que l'armistice était une capitulation. C'est ce que disait le général de Gaulle. Ouais. Ce n'est pas ma faute. Si le président
Le Brun ? Non. Je dirais du conseil, c'est… Reynaud. Paul Reynaud. N'a pas rapporté mes propos. Mmh. Reynaud a caché plusieurs fois, a agi de façon solitaire en dehors du cabinet des ministres. Le fameux accord du 28 mars, il le fait seul. L'accord qui obligeait la France à rester liée à l'Angleterre. Alors, j'ai trouvé un génial français qui le soutenait, sous-entendu général Lou, je m'en suis servi. Donc, il s'est servi de Gaulle. Il faut bien que les gens comprennent que pendant un certain temps, de Gaulle est un agent anglais et dont l'officier traitant est le général Speer. Et c'est le général Speer qui l'a recruté en le prenant dans son avion. Et après, il va détester le général Speer. Et il va détester Churchill parce que de Gaulle, chaque fois qu'il a eu un mentor, a exécuté la personne qu'il avait aidé à passer à l'étage supérieur. Il a fait ça tout le temps. Oui, mais en même temps, il fallait aussi qu'il défende les intérêts de la France par rapport aux Anglais. Parce que la Seconde Guerre mondiale fournissait aux puissances anglo-saxonnes aussi le moyen d'installer leur hégémonie sur la France. C'est le projet d'Amgott en 1944, après le débarquement d'une administration anglo-saxonne de la France, par exemple. Ça, c'est la géographie gaulliste. Mais l'attaque de la Syrie était criminelle. Parce que depuis toujours, les Anglais voulaient. Il a offert aux Anglais une occasion extraordinaire de s'introduire en Syrie. Il leur a donné des gages. C'est lui. Ensuite, vous parlez de l'Amgott, mais enfin, Giraud avait obtenu cette garantie. Simplement, elle s'est transférée après de Giraud, quand de Gaulle est arrivé à l'évincer, sur de Gaulle. Mais l'Amgott, c'est pas le général de Gaulle des départs. C'est Giraud. Vous voyez ? Il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. Ouais. Alors, finalement, avec beaucoup de morts, l'assassinat de l'amiral Darlan a été catastrophique. C'est la fin de l'unité française. Oui, bien sûr. Et Pétain a dit, si j'étais parti, comme on me suppliait de le faire… – En novembre 1942, après le débarquement allié d'Afrique du Nord. – J'aurais été assassiné de la même manière. Il a dit ça, j'aurais été assassiné de la même manière. Il était mon représentant officiel, tout le monde le savait. Et il a fait et je dis un autre point. Toutes les calomnies qui sont déversées au quotidien sur le maréchal Pétain ne devraient pas exister de l'aveu même du général de Gaulle. C'est-à-dire que le général de Gaulle, et c'est vérifiable, l'a dit au colonel Rémy, je ne comprendrai jamais pourquoi le maréchal Pétain n'est pas parti à Alger en avion en 42. En novembre 42, oui. Toute l'Afrique du Nord l'aurait accueilli à bras ouverts. Les Américains les premiers, les Anglais auraient suivi, et nous, pauvres aimés, nous serions restés de côté. Et au défilé de la victoire, comme le 14 juillet 1919, le maréchal Pétain, sur son cheval blanc, serait passé sous l'Arc de Triomphe et aurait descendu les Champs-Élysées. Donc, il faut bien voir que c'est l'amour de la France, le souci de les protéger jusqu'au bout, au risque de détruire sa propre image, d'où le titre « Je brûlerai ma gloire », qui fait que on calomnie le maréchal Pétain. Ça veut dire que toutes les places, tous les boulevards, tous les aéroports dédiés au général de Gaulle, dites-vous bien que dans votre esprit, ils reviennent au maréchal Pétain. Eh bien, sur cette conclusion un peu provocatrice, merci beaucoup. – C'est pas une provocation pour moi. – Merci beaucoup, même pour un certain nombre d'auditeurs, oui, je pense. – Oui, mais renvoie au général de Gaulle. – Oui, mais merci Jacques Boncompain de tous ces éclaircissements concernant cette période ô combien complexe. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Je brûlerai ma gloire » aux éditions Muller. – Oui, on le trouve à la librairie française, on le trouve à la Nouvelle Librairie. À la Nouvelle Librairie. On le trouve, à la librairie du Caine, et puis il est sur tous les sites internet. Très bien. Merci. Merci à vous.